Tu vois, le problème dans ce monde, c'est que on a toujours l'impression qu'il y a quelque chose à aller prendre pour pouvoir se sentir bien. Que ce soit matériel ou psychologique. On cherche à être bien parce que constamment on est mal. On a un manque, un vide. Quelque chose qui se passe en soi, qui fait qu'il reste une insatisfaction là. Il n'y a pas ce sentiment d'être comblé complètement. Nous vivons la vie avec un sentiment de manque. Nous sommes tout le temps à l'affût de quelque chose. Ça s'est ancré dans nos esprits depuis très longtemps, parce que on ne s'est pas identifié avec ce que l'on est vraiment. On a mis de côté ce que l'on est pour être ce que on nous a demandé d'être. Le monde nous fait croire qu'il y a quelque chose à être. Et cette propagande, elle demeure depuis très longtemps. Et pour la plupart, nous croyons en cette propagande. Et la propagande, elle est installée en nous. Ce sont ces schémas de pensée qui te disent qu'il faut réussir, qu'il faut devenir. Et en fait, là, tu progresses, tu vis ta vie, mais avec le temps. Et le temps, c'est quelque part, c'est ton ennemi parce que tu n'es pas présent. Tu es toujours en train d'espérer que quelque chose arrivera. Et l'espoir, tu vois, c'est un sentiment de convoitise que l'on a pour pouvoir atteindre le but que l'on se donne d'avoir, le rêve que l'on a, l'espoir qu'un monde sera différent, l'idéal vie que l'on cherche en fait. On est tout le temps à l'affût de ce qui devrait y avoir pour nous sortir de cette monotonie que nous avons acquis par la force des choses, l'habitude, le train-train. Et nous nous sentons pratiquement obligés de continuer comme ça. Parce que la tradition s'est installée, les choses se répètent. Et si on ne fait pas ça, ben, on est exclu. On est exclu de ce que peut donner le monde. Le monde te donnera quoi? Un peu de plaisir. On va t'accepter, on va te caresser dans le sens du poil. L'affection, la tendresse. Tout ça, c'est ce qui est offert. Et tu as peur d'en manquer. Parce que si tu n'as pas cela, on dirait que tu n'existes pas pour personne. Mais tu cherches ça. Et le fait que tu cherches ça, c'est que tu penses encore qu'il y a quelque chose à atteindre. Quelque chose à être vécu pour que tu puisses sortir de l'ornière dans laquelle tu te retrouves. Parce que l'ornière, c'est quoi? C'est l'ennui de tout ce que tu fais. Tu es tout le temps en train de répéter les mêmes choses. Et là, tu rentres dans un domaine où tout se répète de la même manière. Et en fait, ça crée de la monotonie. Les habitudes, les train-train, tout ça, tout le monde se répète tout le temps. Et cette répétition mine la joie de vivre. Parce que dans cette répétition, il y a tout qui se répète. Il n'y a pas de découverte, il n'y a pas de moment extraordinaire, vivant. Tout est répété. C'est
ce que la machine fait d'ailleurs. Et tu es, à ce moment-là, quand tu es dans ces habitudes, ces trains-trains, la vie que tu as là, tu deviens tout simplement l'instrument de la mémoire qui répète et tu es une machine. Il y a une mémoire et tout ce que tu sais, c'est répéter ce que la mémoire, elle a donné. Les données que tu as sont répétées. Donc, réfléchis bien, parce que si tu t'identifies à ce que tu aimerais, ce sont ces mémoires que tu t'identifies avec. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est autre chose. La réalité, c'est que ce que tu es ne se repose pas sur une mémoire qui a été vécue pour être réitérée. Mais ce que tu es, c'est en dehors de tout ça. Tu es le vivant. Et le vivant, il respire, il vit, il s'émerveille d'instant en instant. Et tout ça, c'est neuf d'instant en instant. Tu vois, tu peux analyser le passé, analyser ta vie, te demander si ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et en fait, tu te retrouves là en train de regarder ce qui peut être fait, mais avec le vivant, tu peux pas faire ça. Tu ne peux que le suivre, que être sur la vague et surfer avec. Parce que le vivant ne s'explique pas, tu peux pas le disséquer pour le comprendre. Quand tu le dissèques, ça veut dire qu'il y a quelque chose de mort qui se répète. Et c'est ce qu'on peut voir. C'est ce qu'on, quand on se regarde, on s'examine avec ce regard où on dissecte ce que l'on est. Mais là, on est en train de parler d'un regard différent. Un regard sur ce que la vie, elle est vraiment. Un regard que la vie elle-même, elle propose. Parce que ce que tu es, c'est la vie. Et la vie, le regard que la vie a, eh bien, c'est ton regard aussi. Et à ce moment-là, il n'y a pas moyen de le tuer pour pouvoir comprendre. Tu dois le comprendre tel qu'il est, mais pas comme tu aimerais voir. Ce que l'on aimerait voir, c'est ce que on veut capturer, quoi. On croit qu'on peut capturer la vie et puis en faire sienne. Mais la vie, elle est tout le temps en train de changer. Et si tu captures une partie de ce que tu aimerais, alors ce sera le faux que tu as, ce ne sera pas le vrai. Ce sera quelque chose de mort. Quelque chose qui est ankylosé dans l'habitude, les trains-trains, ça se répète. Ça, c'est la machine, c'est la mémoire de ce que tu sais de la vie. Donc tu répètes ce que la vie te propose. En fait, tu vis un moment, tu le mémorises et puis tu le répètes. Donc tu es tout simplement à ce moment-là rien d'autre que la mémoire et tu t'es identifié à ça. Donc ce que tu es n'est pas vrai. Tu es en train de te leurrer. Tu es en train de te leurrer et te faire croire que ce que tu es, c'est une réalité. Mais quand tu vois le mouvement de ce que tu penses, tout ce qui est là, toute l'histoire que tu as pour pouvoir pavaner avec, ben tout ça, c'est le résultat d'une mémoire. Tu as amassé une vie et en fait, tu te fais valoir avec ce que tu as amassé. Mais ce que tu as amassé, c'est pas quelque chose de vivant. C'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui émerge là, d'instant en instant. C'est ton cœur qui parle. Mais tout le reste, c'est la tête qui cause. Et la tête, c'est la mémoire, c'est tout ce qui se répète. Et à force de répéter toutes ces choses,
ben on s'y habitue parce que justement ça te donne du confort, du réconfort. On est dans une zone de confort puisque on n'a pas besoin d'être bousculé par ce que la vie elle propose d'instant en instant. Ça bouscule les habitudes, les train-trains, tout ça. Et toi, tu aimes bien tes habitudes et tes train-trains, donc tu ne veux pas que la vie soit présente. Donc tu préfères ce que tu penses de la vie plutôt que ce que la vie elle est. Et tu ne la vis jamais parce que ça dérange tellement ton mode de vie, tes traditions, tes façons de voir les choses, tes idées, les choses que tu as amassées pour pouvoir te sentir bien. Ça dérange tout ça. Parce que la vie, elle est vivante. Et le vivant dérange. C'est pour ça que on veut faire la vie plutôt que de la vivre. Mais qui es-tu pour faire la vie? Ça ne peut pas être fait, la vie. La vie, elle est là. C'est ça, la vie. Et donc, tu ne l'acceptes pas. Tu n'acceptes pas ce que tu es pour de vrai. Parce que ce que tu es pour de vrai, c'est quelque chose de vivant. Et si tu laisses ça être, eh ben, elle va déranger le statu quo. Tout ce qui se passe autour de toi va être dérangé parce que tu n'es pas ce que le monde est. Parce que toute la norme établie est basée sur quelque chose que tu dois te mouler avec pour devenir cette conformité. Tu es conforme à la norme établie. Tu es conforme aux conclusions qui ont été faites de comment tu devrais exister. Mais ce que tu es n'a rien à voir avec cette machine, cet amas de pensées, de conceptions, d'images qui se prônent à travers la mémoire. L'image qu'on a acquise de ce qu'on a vécu hier est enregistrée comme une image, comme un concept. Mais tu ne peux pas le revivre, tu ne peux pas vivre ça. Ce qui est vivant, c'est seulement ce qui se produit là, maintenant, dans l'inattendu, dans l'émerveillement. Et ça, justement, tu en as peur parce que ça dérange tout ce que tu connais, tout ce que tu as fabriqué, tout ton confort, tes habitudes, tes train-trains. Eh bien, il faudra que tu les abandonnes. Et là, c'est la chose la plus douloureuse qui puisse être donnée à quelqu'un qui s'est attaché à tout ça. Donc tu t'es attaché à tes habitudes, à tout ce qu'on t'a donné pour être bien. L'amitié, l'affection de quelqu'un, que tout ça on te donne et tu t'attaches à ça. Et puis après, tu veux le garder. Et comme tu veux le garder, eh bien, tout change. La vie même, la vie elle va faire en sorte que tout ça change. Et il y aura de la souffrance à un moment ou à un autre. Parce que tout ça n'est pas permanent. Ce que l'on veut n'est pas permanent. L'idéal que l'on a n'est pas permanent. C'est éphémère, ça arrive, et puis c'est du vent, en fait, c'est de l'apparence qu'on se donne d'être, et cette apparence ne peut pas être tout le temps là. Tu as l'impression que tu peux le faire perdurer. Et cette activité de faire perdurer ce qui est apparent, eh ben, ça te donne beaucoup de tracasseries. Tu es très occupé avec ça. Alors là, existe un personnage pour faire exister ça. Le personnage veut faire en sorte que tout ça perdure. Et tu ne sais pas comment sortir de ça. Parce que tu es emprisonné là-dedans. Mais la vie, elle, si tu la laisses être, si tu l'accueilles, bien que ce soit quelque chose d'effrayant, parce que, en fait, ça te pose un grand dilemme que de sortir de ta zone de confort, d'affronter ce qui est inconnu.
Mais est-ce que tu as le choix? Parce que toute cette activité qui résiste à aller au-delà de ce qui est connu, parce que tu veux garder, eh bien, ça t'empêchera d'être ce que tu es vraiment. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose de vivant que tu ne peux pas cerner directement. C'est tout le temps en train de changer, se mouvoir et être surprenant même. Elle surprend ceux qui sont dans les habitudes et les trains-trains. Donc les gens se demandent, mais tu es fou, qu'est-ce que tu fais? Tu fais des choses qui ne sont pas comme la norme le prescrit. Et comme tout le monde est attaché à sa norme prescrite, eh bien, alors on te met de côté. Mais ce n'est pas grave qu'on te mette de côté, puisque de toute façon, tu es né seul et tu mourras seul. C'est pas grave ça. Sauf que dans cet état-là, tu es relié avec le tout et tu n'es pas seul. Tu es avec tout ce que tu es. Ce que tu es, c'est le reste de l'environnement. Tout ça, c'est nous-mêmes. Mais nous avons besoin, des fois, de l'accaparer pour soi. Mais comment peux-tu prendre ce que tu es pour être encore plus? Donc, tu vas t'attacher à ce que tu penses être. Et en fait, tu n'en as pas besoin vraiment, puisque déjà tu es tout ça. C'est cette impression qu'on t'a donnée depuis que tu es enfant. Toute ta vie, on te dit, va, il y a quelque chose à gagner. Et ce quelque chose à gagner, c'est la réussite. C'est de devenir d'avoir cet état, de récupérer cet état, de pouvoir se l'approprier en se disant que, ben, je suis arrivé à ce que je voulais. Et en fait, comme tu causes comme ça, tu dis à ce que je voulais, ce n'est pas toi qui veux, ce sont tes pensées. Et les pensées, ce sont le programme qui a été installé. C'est la mémoire que tu as qui te dicte comment tu dois poursuivre ta vie. C'est ça toute la difficulté de nous-mêmes, c'est que nous n'acceptons pas que nous sommes au-delà de tout ce que nous avons acquis. Toute cette mémoire que nous avons nous empêche de voir ce qu'il y a de neuf, parce que nous sommes attachés à la mémoire, à l'histoire que nous avons. Tout ce que tu es, c'est une histoire. L'histoire de toi-même, l'histoire de ta vie, l'histoire de ta famille, l'histoire de tes enfants, de ta maison, ton école, tout ça. C'est toute une histoire, ça. Et cette histoire, tu la répètes parce que tu as peur que cette histoire meure. Donc on s'attache au passé, on s'attache aux uns et aux autres pour se rappeler de l'histoire, parce qu'on est attaché à cette histoire. Et être attaché à cette histoire crée beaucoup de souffrance, crée des limites extraordinaires. Tu te limites à ce qui a été vécu pour pouvoir le répéter. Alors que ce qu'il y a, c'est du vivant qui est neuf d'instant en instant. Et si tu t'accroches à ce que tu as été, tu ne peux pas explorer ce qui est neuf, ce qui est inconnu. Pour aller explorer l'inconnu, ben, il faut que tu sortes de ta zone de confort. Cette envie d'aller vers ce qui est nouveau. L'enfant, il l'a. Mais nous, après avoir été bassinés par la propagande de réussir, ben, on perd cette innocence d'être curieux. On ne cherche plus. On ne cherche plus à savoir qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette zone de confort que l'on a acquis. C'est important, cette innocence envers tout ce qui se passe, puisque là, tu es ouvert pour pouvoir voir au-delà
de ce qui est caché. Parce que si tu as de la curiosité, tu verras qu'est-ce qui est caché derrière tout ça. Il y a quelque chose qui se cache et tu dois le découvrir. Et c'est la curiosité qui va te permettre de faire ça. Et dans cette curiosité, il y a aussi l'insatisfaction, il y a quelque chose qui te propulse vers la découverte de ce que tu ne connais pas. Tu es souvent seul, dans l'ennui. Et tout ça, c'est bon, parce que si tu es là, dans cet état, tu ne cherches pas autre chose. Tu ne cherches pas à te distraire pour ne plus être dans cet état. Tu restes là, parce que c'est là où tout se passe. C'est là où tu verras ce qui est sacré, ce qui est au-delà de toute la compréhension de l'habitude et des train-train. Donc, tu es voué à être le vivant et à exprimer ce que la vie propose. Mais il faut que tu sois libre pour que la vie puisse être là, puisse utiliser ce que tu es pour pouvoir s'exprimer. Et cette expression, elle sera ce que tu es, terriblement sincère, et pas entremêlée avec ce que le passé propose. Parce que le passé, c'est un mensonge. Donc il n'y aurait plus de sincérité si tu es avec ce que tu penses. Donc à ce moment-là, quand tu exprimes la vie, il n'y a pas de pensée. Il n'y a pas la propagande, il n'y a pas la mémoire, il n'y a rien de tout cela. Tu es libre de tout le passé que tu as appris.